Ouf. Thank you, Jesus. We bless your name, Father. You are faithful. Thank you for your faithfulness. Thank you, Lord. Shalom, shalom à tout le monde. Que la grâce de Jésus qui surpasse toutes choses vous soit abondamment accordée. Que sa faveur soit sur vous au nom souverain de Jésus de Nazareth. Bon début de week-end à chacun d'entre vous dans la gloire du Seigneur Jésus-Christ et dans le souvenir des promesses qu'il vous a faites. Que Dieu se souvienne de ses promesses et de ses paroles de vie pour toi et pour ta maison, au nom précieux souverain de Jésus de Nazareth. Alors, je voudrais tout simplement vous rappeler un grand événement qui va avoir lieu ce dimanche 25 février à partir de 8h ici à la Bire et à Douala. Ce sera à partir de 16h en Dogbon derrière l'immeuble Kamlé. C'est le culte des familles, le culte de consécration familiale, parce que dans notre église, nous avons la coutume de nous présenter une fois par mois et 12 fois par an devant l'Éternel, notre Dieu, nous et nos enfants, et les enfants de nos enfants, et toutes nos familles, pour renouveler notre engagement à aimer et à servir le Seigneur Jésus-Christ. Donc, bien aimé, ce dimanche, à partir de 8h, nous serons à la Bire, à Yaoundé, du côté de Nkouaban. Donc, l'église est située en Nkouaban. Quand vous arrivez au niveau d'un Nkouaban, au carrefour Nkouaban, vous demandez tout simplement qu'on vous laisse à la Bire. En vous laissant à la Bire, alors vous verrez la main de Dieu dans votre vie de façon extraordinaire. Donc préparons-nous avec nos enfants. Ne laisse personne à la maison ce dimanche. Ne laisse personne à la maison. Je vous ai exhorté dans toutes nos églises, dans l'étendue du Cameroun, territoire camerounais, et puis en Afrique et en Europe, le même programme sera respecté. Donc, dimanche, à partir de 8h, à la Bire, nous sommes déjà très nombreux à nous rassembler pour le culte de consécration des familles. Alors, c'est quoi le culte de consécration des familles? Vous savez que chaque famille choisit le Dieu qu'elle doit adorer, les divinités auxquelles elle fait allégeance. La Bible dit « à l'Éternel ». Il est aussi écrit « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Il est aussi écrit « Me voici, moi et les enfants que tu m'as donnés ». Voulons nous présenter devant l'Éternel en lui disant, c'est toi notre Dieu et c'est toi le Dieu de nos familles. Nous ne voulons pas adorer les dieux des nations. Nous nous consacrons à toi, nous renouvelons notre engagement à te servir. Voilà pourquoi la Bible dira, Shema Israël, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Écoute Israël, l'Éternel, notre Éternel est le seul Éternel. Donc, nous voulons dire à Dieu que nous nous faisons allégeance, nous renouvelons notre engagement à le servir et à l'aimer, nous et nos enfants, et nous nous engageons en tant que parents d'enseigner les voies de l'Éternel à nos enfants. C'est ça le but du culte des familles. Et nous nous présentons devant Dieu avec nos offrandes d'action de grâce, ce que nous appelons l'offrande de consécration familiale. L'offrande de consécration familiale, c'est pour dire merci à Dieu pour ce qu'il nous a gardé pendant le mois, pour sa grâce, la vie, le mouvement et l'être, pour la santé, pour ses familles. Et nous lui disons, Seigneur, c'est à toi que nous offrirons nos offrandes. Donc, le culte des familles, sans offrande de consécration familiale, ça n'a pas un grand sens. Dans tous les cas, nous voulons aimer le Seigneur, nous voulons le servir. Prépare-toi, toi et ta maison. Prépare-toi, toi et tes enfants. Et soyons très sérieux par rapport à ceci. Quand on se présente devant l'Éternel, on ne se présente pas n'importe comment. Que chacun puisse avoir des vêtements de fête. Pendant ce culte des familles, nous aurons un service de lavement des pieds pour posséder les 12 portes de l'année 2024. Donc les parents comme les enfants, nous laverons nos pieds devant l'Éternel comme Jésus l'avait fait pour ses disciples. Ça a une portée prophétique pour te donner de posséder tout lieu que foulera la plante de tes pieds. Que Dieu te bénisse au nom souverain de Jésus. Et viens avec ta bouteille d'huile de faveur neuve.
Nous allons prier avec pour la consécration des familles. Il y aura aussi l'aspersion de l'eau ointe devant le Seigneur notre Dieu. Je consacrerai toutes les familles à l'Éternel à l'heure de la présentation des familles et de l'offrande des familles. Alors chacun montera devant l'autel avec sa famille, avec ses enfants. Et pendant que nous le faisons, Dieu vous bénira. Et vous qui ne pourrez pas être là physiquement, vous pouvez faire la même chose étant à la maison chez vous. Quel que soit votre pays, quelle que soit votre nation, vous pouvez tout simplement vous connecter en direct, envoyer votre offrande par les numéros qui seront affichés lors du culte en direct, et puis faire tout ce que nous aurons à faire à la maison. Le Seigneur vous bénira. Que Dieu te bénisse. J'ai hâte de te retrouver ce dimanche à partir de 8h à la Bire à Yaoundé du côté de Nkouaban, et le soir à partir de 16h du côté de Ndogbon. Nous avons passé 3 jours extraordinaires. Nous allons clôturer ces 3 jours ce dimanche 25 février à partir de 16h en Ndogbon. L'église de village n'a pas de culte le matin. Elle se retrouve du côté de Ndogbon. Tout le monde, pour que nous puissions recevoir la grâce que le Seigneur a réservée pour nous. Je vous souhaite encore une belle année 2024 et surtout un joyeux mois de février. Que Dieu te bénisse, j'ai hâte de te retrouver, toi et ta famille, et moi et ma famille. Que Dieu te bénisse, shalom, shalom et shalom. Bye.